A teaser for Lifetime new movie Harry et Meghan, Escaping the Palace was played on Lauren and the host couldn't help but laugh as she watched the preview clip. Lauren Kelly a pris un coup sauvage dans le nouveau film Prince Harry et Meghan Markle. Lifetime new movie Harry et Meghan, Escaping the Palace is based on the story of the couple quitting the royal family. L'annonce teaser de 30 secondes a été diffusée dans l'émission de jeudi. Le prochain film devrait sortir cet automne et met en vedette les acteurs Jordan Dean et Sidney Morton qui incarnent les Sussex. It is set to focus on the whirlwind last few years that the couple has faced after. Leaving the UK and the fallout to their decision to move to America. Mais Lauren ne regardera probablement pas à moins qu'elle n'ait envie de rire. Cricket. It looks the best comedy of the year, doesn't it? Daft she bluntly said. Elle a ensuite ajouté. Est-ce censé être la reine? Avant de lâcher quelques rires. Amid a backdrop of dramatic music, the trailer begins with Harry telling his wife, ici ou literally being wounded to death, and him powerless to stop it. Ces remarques coupent entre les images du couple alors qu'il s'assoit avec Oprah Winfrey. Elle s'occupe de bébé Archie aux côtés de scènes filmées dans ce qui semble être le palais. In the trailer, Meghan Zen déclare. I am the person who is strong and Jay sings right. The brief clip also features a poignant message emblazoned across the screen that reads, not all fairy tales have the perfect ending. Lifetime has shared very little detail about the exact plot of the movie, only promising that it will offer viewers a fictionalized account of. What really happened inside the palace that drove Harry and Meghan to leave everything behind in order to make a future for themselves and their son Archie, according to Deadline. Une source a déclaré à la publication, cela détaillera l'isolement et la tristesse croissant de Meghan, leur déception que the firm ne les défende pas contre les attaques de la presse. La peur des Harry que l'histoire se répète et qu'il ne soit pas en mesure de protéger sa femme et son fils des mêmes forces qui ont causé la mort prématurée de sa mère.